Alors attendez, on est là, il y a une tour ici, on va aller la choper. Garde du corps du chef de guerre. Parce que moi j'ai pas envie de voir débarquer la matriarche, les gars. Hop. Ça c'est la classe. Je te soumets. Je te soumets. C'est génial ça. Vous viendrez me voir à Paris Games Week et je vous dirai je te soumets. Ah, je peux envoyer des menaces de mort. C'est génial ça. Y en a un qui est à côté, genre pas loin. Lui il est où lui? Il est un peu loin, il est pas trop loin. Ah pas juste à côté là. Voilà, on va lui envoyer une menace de mort. Menace de mort. Donc normalement il va prendre quelques levels. Donc là j'envoie une menace de mort, en mode gros connard, je vais te niquer ta daronne la pute. Et tous ces petits florilèges de mots que les rappeurs français connaissent très bien. Bah attendez, j'envoie une menace de mort, mais à qui? C'est bien beau ma connerie, mais à qui? Un capitaine, un capitaine. Non, c'est pas lui, c'était une couronne. Cherchez une couronne. Parce que moi, il faut que je. Faut que j'honore mon honoraire là. Je lui ai dit que j'allais lui baiser sa mère. Maintenant, faut que j'assume. Il est pas là, il est pas là. J'ai raté une couronne quelque part. C'est très frustrant. Ah bah attendez, pourquoi je me fais chier, regardez, tac, si je fais start, normalement armé, tiens lui, marquer la cible, voilà, niveau 14, je vais le soulever comme Jaja, ah mais il est tout là-bas, oh damn, attendez, hey. À moi Epona. Pénétrer dans le monde d'un autre joueur et chasser son tueur. Ah bien. Mais je vais me faire chier gros. Si je me suis cheaté c'est pour moi, c'est pas pour les autres. Cette bête ne t'aime pas, Tark. Pas vraiment. Pas comme une bête le devrait. Oh là, c'est qui lui? Oh là, il fait des gestes un petit peu. T'es sérieux toi, qu'est-ce que tu veux? Il va tuer mon Caragor. Casse-toi toi. Il est grave bien ton bouclier. Oh putain, il s'est adapté à mes sauts. Oh, je peux plus le stun, il s'est adapté. Il a dit quoi? Je veux seulement que tu m'aimes. J'attends que tu aies un baiser, c'est tout ce qu'il te faut. Mais les gars, il veut m'embrasser. Vous avez entendu? Un baiser, c'est tout ce qu'il me faut. Non mais what the fuck? Dominer les bêtes du Mordor.
C'est leur méthode. Dominer ce qui peut être dominé, tuer le reste. Mais là, c'est même plus de la domination, là, c'est de la perfidie. Vous entendez ce qu'ils voulaient, ce qu'ils disaient ? C'est terrible. Laisse-moi t'embrasser. En plus, j'ai perdu ma monture, quoi. L'autre, il a fallu qu'il m'attaque. J'ai plus de flèches. Baga, baga. Silence. J'aime bien le chute silence. Baga. Putain, je connais pas ses faiblesses. Ça se trouve, il craint la furtivité. Ah bah non. Les autres ne peuvent pas comprendre. Leur vantardise est inutile si leurs actes ne suivent pas. Quant à moi, je parle doucement, mais j'applique toujours toutes mes menaces. Ah ah. Tais-toi ! Purifié. Oh putain. Toi tu crèves toi. Bâtard. Je veux qu'on discute. Je vois un rôdeur au beau milieu de la bataille. Mais sors d'où lui? T'arriveras à te frayer un chemin jusqu'à moi? Et merde. Ça c'est fait. Bon, Baga a été tué, mais je m'en fous de ça. Je veux tuer les autres maintenant, faut les punir. Terrifié par quoi là? Bon. Ah, il avait peur des araignées. Oh, c'est mon petit pouvoir secret ça. Bon, ça s'est plutôt bien passé, malgré que j'étais un peu dans la merde. Un peu. Ah, nul. Mon épée, elle a du poison. Quand je fais des coups critiques. Bon, faut que je recharge un peu ma life. Est-ce qu'il n'y a pas un orc qui traîne là-haut? Excuse-moi, j'ai besoin de PV. Donne-moi ton âme. En fait, j'ai l'impression d'être Shang Tsung dans Mortal Kombat. Voyez ou pas? Et ben voilà, je me prends pour Shang Tsung. C'est quoi ça, le monument tribal du chef de guerre? Et comment j'enlève ça? Ah, faut peut-être que je chevauche un grog. Et qu'après je tabasse ça. C'est possible. On va aller faire la quête principale. Au calme. Nous devrions rentrer. Il faut une grosse config pour faire tourner le jeu. Bah là je suis en 1080 donc je pense pas. Mais genre en 4K voilà, 4K full ultra, la petite 1080 Ti elle fait le taf quoi. Allez c'est parti. Terre sans homme.
Baranor, vous ne pouvez pas être à court d'orques dans la ville. Il en reste quelques-uns, mais nous en chassons un en particulier. Le dernier garde du corps du chef de guerre qui mène le siège. Les chefs de guerre sont des orques très puissants, souvent protégés par des capitaines. Vous pouvez commencer par identifier et traquer ces gardes du corps pour faciliter grandement l'élimination du chef de guerre. Dans le menu armée, vous indique quel capitaine protège un chef de guerre. Les chefs de guerre de cette région sont les chefs de l'armée orc. En sélectionnant le chef de guerre, vous pouvez voir ses gardes du corps. Commencez par traquer les gardes du corps d'un chef de guerre et triomphez d'eux afin de faciliter votre affrontement contre le chef de guerre lui-même. Aidez Baranor à chercher ce garde du corps et à le tuer. Je crois que nous cherchons le même orc. Et pour atteindre le chef de guerre, il faut tuer ses gardes du corps. Vous semblez avoir de l'expérience. Tant que vous n'avez pas été repéré, vous pouvez ordonner à un allié ou au garde du corps qui vous accompagne de tuer une cible proche. Visez l'ennemi et appuyez sur... Ah mais je m'en fous. Non mais... Dans ce domaine, suffisamment. Je vous suis. Ah bah, j'ai pas le choix. Grâce au pouvoir de... Rejoins tes frères dans la mort. L'attaque imminente. Je sens quelque chose. Salutations du Condor. Cache-toi! Tu parles du globe à la date bizarre qui fait tout le monde pour être promu. Bon débarras, je l'ai jamais aimé. Il était marrant quand il avait mis un coup de tronche. Alors. Ils veulent pas ? D'accord. Ça, c'est... Eh, pour le moment, notre invasion pète la classe, hein. Je veux pas dire, mais... Je pense que c'est le plus beau gameplay du monde. Par contre, je veux bien mes flèches. Où sont mes flèches? Bah, j'aurais pas mes flèches. Ça s'appelle une gouttière. Putain, mais... Oh là là. Je veux pas qu'une araignée géante m'emporte. Ah bon. Ça c'est fait. Oh putain de Caragor. Il sait grimper lui. Ça veut dire non. Et merde. Ah mais c'est garde du corps. Tu crois que quelqu'un...
Cette petite brûlure va nous ralentir. Cool, comme ça il s'est pas, présenté, on a passé toute la phase de merde. Eh ben excellent. Je plains presque le chef de guerre qu'on traque. Il va se sentir seul sans ses gardes du corps. Il ne tardera pas à les rejoindre. Ça c'est de la punchline. Il ne tardera pas à les rejoindre. Excellent. Vraiment excellent. Triompher les chefs de guerre. Les chefs de guerre de Cirith Ungol mènent l'assaut des orques de Minas Ithil. Sans eux, les armées du Seigneur des Ténèbres seront en déroute. Attirez les chefs de guerre et triomphez d'eux en effectuant des missions de confrontation. Des soldats de Minas Ithil ont été envoyés pour vous aider à triompher les chefs de guerre. Appuyez sur droite pour appeler un passant gondorien à vos côtés. Le chef de guerre que Baranor cherche n'en est qu'un parmi tant d'autres. Ils continueront à attaquer Minas Ithil. Alors notre objectif est clair. Il faut tous les tuer. Et nous aurons besoin de l'aide des Gondoriens pour ça. Bordel, il m'énerve! Avec le palantir, on pourra faire une armée d'orques! Tenez, on va prendre ça pendant qu'on est à côté. J'adore. Quarterdeck et Nedli. Alors. Alors encore deux trucs. Parfait. On a tout pris. On a tout lock. Et on va refaire une quête principale. 675, 1290, 377, 2000. Oh putain, en fait, faut vraiment que je fasse des. Ces quêtes là. C'est des chefs d'avant-poste. Ok, donc 1, 2, et puis le troisième il est là-bas. Où est la quête principale? Venger la mort de Ingritable. Ah non, il y en a, il est mort. Ingritable, il est mort. Grosse merde. Je te vengerai tout à l'heure. Les visions d'Arachné nous révéleront notre voie. Nous devons être prudents, Talion. Nous devons être prudents, Talion. Faut qu'Arachné me rende mon anneau là. Rends-moi mon anneau, Arachné. Laisse-moi lever mon armée. Plus de flèches, on devra Arachné pour savoir plus sur ce qui menace Minas Ithil. Allons-y. Je serai méfiant envers l'araignée à ta place. Elle ne te montre que ce qu'elle veut. Alors dis-moi ce que tu veux voir. Minas Ithil toujours debout. Oh, mais quel altruisme. Rien de plus? La dernière vision était troublante, n'est-ce pas? Je veux savoir ce que vont me faire les Nazgûl. Oh,
Prends garde à ce que tu demandes, Rôdeur. Avec la prophétie, vient le tourment. On prendra la ville à l'aube! Soumets-toi à ton destin. Je sais ce qui t'effraie, Talion. Les visions d'Arachné ne sont pas immuables. Le roi sorcier. C'est le pouvoir de domination. L'anneau peut asservir l'esprit des hommes. Que peut-on faire ? Il faut faire des sacrifices. Il y aura des pertes. Mais... n'oublions pas notre objectif, quoi qu'il puisse en coûter. Nous pouvons sauver des vies. Si le chef de guerre de ma vision est celui que traquent Baranor et ses hommes, ils auront besoin d'aide. Un chef de guerre n'y changera rien. Pour l'instant, ce chef de guerre est la plus grande menace pour Minas Ithil. Je refuse de rester les bras croisés pendant que Baranor et ses hommes risquent leur vie pour le tuer.